Née en 1986 à côté de Clermont-Ferrand, je grandis dans une famille musicienne. Dès le plus jeune âge, je me passionne pour le football et je présente rapidement des qualités athlétiques et techniques. Je décide alors de faire de ma passion mon métier, car, ah non, en fait, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas encore professionnels. Mes parents sont alors contents par rapport à mon choix. Afin de parfaire ma formation, je pars à Clairefontaine, à l'INF. Lorsque je découvre le plus haut niveau, je suis alors âgée de 14 ans. Mes premiers pas dans le monde professionnel sont au PSG. Pour arriver à faire de bons résultats, il faut attendre son tour. Ma première victoire arrive lors de ma première sélection devant les Pays-Bas. Lors de ce premier succès, je pense tout d'abord à ma famille. Qui dit victoire, dit notoriété et sollicitations médiatiques. Je vis cela plutôt à la cool. Les fans sont top avec moi. Puis ce sont les sponsors d'importance qui arrivent, comme Nike. Cette rentrée d'argent soudaine me permet de me faire plaisir en achetant ma Mini Countryman magnifique. Côté cœur, le sport de haut niveau m'a permis de rencontrer l'homme parfait. Aujourd'hui, j'ai 31 ans et quand je regarde ma carrière jusqu'ici, je suis assez fière. Pour la suite, mon objectif est la Coupe du Monde 2019. La reconversion, je la prépare dès aujourd'hui et cela ressemble à un très grand point d'interrogation. Quand je repense à l'enfant que j'étais et aux rêves qui m'habitaient, j'estime que je suis plutôt bien partie dans la vie. J'écris ma vie et je suis leur boulot.